Ce soir, une victoire importante face à des Bressans très dangereux. Ouais, on le savait, hein, on est tombé face à une équipe de Bourg-en-Bresse qui joue beaucoup. On les avait vus, ils avaient été gagnés à Albi comme ça. Ils ont refait un peu le même match contre nous. Je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie ce soir et c'est ce qu'il faut, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est positif, on a montré vraiment un très bon état d'esprit de groupe. Parce que cette équipe de Bourg-en-Bresse, je pense qu'elle fait partie des deux, trois plus grosses écuries de ce championnat, de cette poule. Donc voilà, nous il fallait absolument qu'on gagne. On avait vraiment envie de se racheter à domicile par rapport au non-match qu'on a fait contre Chambéry. C'est chose faite, hein. Il y a des choses qui ont été, des choses qui ont été moins performantes, on va les analyser. On va profiter ce soir parce que vraiment on en avait besoin de cette victoire. Et on va se remettre au travail dès lundi pour mettre toutes les chances de notre côté, pour aller faire un très gros match à Albi, et puis après on aura une semaine pour récupérer. Donc voilà, je pense que c'est positif, il fallait gagner, on a gagné. On a encore rehaussé notre niveau de jeu par rapport aux trois premiers matchs, donc je pense qu'il y a des bonnes choses à retenir de ce soir, et on va analyser ce qui n'a pas été. Et puis voilà quoi, c'est super, je pense qu'on a eu un bon public ce soir. Un bon match de rugby, même si sur la fin, les cardiaques, il fallait faire attention quand même. Et vous avez justement, vous avez montré que vous aviez énormément de cœur, et ça fédère l'équipe, ça. Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment la victoire qu'il nous fallait, parce qu'on avait un peu peur, on avait beaucoup de pression pour ce match, et il fallait que cette pression soit positive. On a vraiment tout donné, on a montré une grosse défense, même si des fois on a eu chaud, mais voilà, on n'a pas failli et il faut retenir cette victoire et continuer à travailler sur cette ligne-là, quoi.